Eh bien les amis, je suis super content de vous retrouver. Là, on commence à avoir des températures un peu mieux, aux alentours d'une dizaine de degrés. Et ça, c'est formidable. Ça permet de travailler un petit peu dans la serre, un petit peu de travailler dehors. Et qu'est-ce qu'on peut faire au mois de mars au niveau de nos arbres fruitiers? Ici, il y en a une cinquantaine. Il y en a pas mal qui sont greffés. Et ici, on a un vieux pommier. Alors, quelque chose à faire aux alentours du mois de mars, par temps sec, c'est mettre un petit peu de blanc horticole au niveau du tronc. Alors pour cela, vous devez toujours, bien avec une brosse à chien-dent, moi j'aime bien cette brosse à chien-dent, là vous voyez, c'est pas mal, hein. On élimine un petit peu tous les morceaux d'écorce qui se décollent, vous voyez comme ça. On fait un peu décrocher la mousse, mais bon, il y en a tellement ici. Donc vous faites un petit peu le tour de l'arbre, comme ici. Bon, je vais faire que cette partie-là. Donc vous faites ça bien comme il faut jusqu'en bas. Et ensuite, après, vous placez votre blanc horticole. Alors le blanc horticole, c'est en pot tout simplement de 5 litres. Et vous venez badigeonner à partir de l'endroit souvent où l'arbre a été greffé. Vous venez badigeonner le tronc du haut jusqu'en bas. Vous prenez votre temps. Hein, souvent on arrête à peu près ici, aux premières grosses branches là, la division. Ça permettra ainsi tous les insectes qui sont à l'intérieur de se sauver. Et c'est un fongicide, un insecticide vraiment naturel, le blanc horticole. Ça va vous protéger tous vos arbres fruitiers au niveau de vos troncs de toutes les attaques de nos insectes là. Ça va leur donner un sacré coup de main. Donc le mois de mars par temps sec, je vous invite à faire ceci. Voilà, vous faites tout le tour de votre tronc jusqu'en bas. Et vous aurez ainsi protégé tout le tronc grâce à votre blanc horticole. Hein. Voilà, donc au mois de mars, c'est vraiment impeccable à faire pour ceci. Hein. Voilà, maintenant je voudrais vous faire voir une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en mars au niveau des arbres fruitiers? Donc, je vais essayer de le mettre en pause. Alors voilà, j'ai pu le remettre en route, le caméscope. Alors rien ne vaut une bonne petite taille en mars au niveau des arbres fruitiers. Donc, ce qu'il faut, c'est amener à éclaircir l'arbre le plus à l'intérieur. Et ça, vous pouvez retrouver ça dans une de mes anciennes vidéos, comment je taille mes arbres fruitiers. Il faut qu'à l'intérieur, il faut que, puisqu'un pigeon, les fermiers disent que, enfin, mon parrain m'a toujours dit, il faut qu'un pigeon puisse se poser à l'intérieur. Donc, il faut éclaircir l'arbre, il faut que l'arbre s'ouvre comme une coupelle. Voilà. Donc, mais ça, vous pouvez retrouver ça également. Hein. Ensuite, après, les fameuses brindilles, c'est-à-dire les branches de l'année, vous laissez trois bourgeons. Et au troisième bourgeon, vous coupez toujours vers un bourgeon vers l'extérieur. Vous voyez? Comme ici, vers l'extérieur. Ensuite, celle-ci. Donc on compte les bourgeons. Ici j'en compte 1, 2, 3 vers l'extérieur. Voilà, ici. Et il faut toujours amener, et vous supprimez bien sûr toutes les branches qui vont vers l'intérieur. Là il y en a énormément. Là au niveau, mais c'est un vieux, vieux pommier ici. Hein. Donc surtout le plus important, c'est que on taille les arbres à pépins. Hein. Les pommiers, les poiriers, les cerisiers et les pruniers se taillent pas. Hein, ils se développent et tout. Bien sûr, on peut une branche gênante la tailler et puis bien sûr mettre un petit peu de cicatrisant. Hein. Mais c'est impératif pour l'amener à fructification au niveau de vos arbres fruitiers, c'est-à-dire de les tailler. Alors, trois yeux, toutes les branches,
de l'année, les branches de l'année, vous regardez les bourgeons, 1, 2, 3, 3 vers l'extérieur, paf en coupe, voilà. Ensuite, il faut bien sûr éliminer tous les chancres. Alors, je vais vous en montrer des petits chancres. Et bien, ces choses-là, vous voyez, ça sera pas coupé. Hein. Là, c'est un vieil arbre déjà, quand même. Mais je vais vous montrer le chancre. Il est là. C'est vilain comme tout. Hein. Il est là. Oh, voilà. Le voilà. Je pense que là, vous devez bien le voir. Ben, ça, on va éliminer ça. Hein. Voilà. C'est à supprimer. Hein. Alors, c'est pas évident. Hein. Il faudrait que je me mette le lien. Le lien d'une ancienne vidéo que j'avais faite et qui était quand même nettement plus précise. Hein. Là, la lumière commence à être un peu faible. Eh bien, je vais essayer de retrouver le lien et de vous le mettre pour que ça soit un peu plus précis. Parce que là, la qualité, je pense que c'est pas très très bien filmé. À bientôt les amis, bye bye!